Et salut tout le monde, c'est Crawler18, on se retrouve aujourd'hui sur le serveur Ragnablock pour l'épisode numéro 14. J'espère vraiment que le timelapse du coup que vous venez de voir vous aura plu. Et c'est un timelapse sur quoi? Sur la salle des coffres, comme vous l'avez peut-être remarqué. Mais c'est pas vraiment une salle des coffres comme les autres, c'est plutôt une grotte des coffres en fait. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement au dernier épisode je vous avais... mis un sondage dans le i en haut à droite. Je vous avais mis un sondage. Est-ce que vous voulez que je fasse la salle des coffres, une structure dans les airs ou le village? Et la majorité a répondu salle des coffres. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est un timelapse vraiment qui m'a pris énormément de temps. Vous imaginez même pas le temps que ça m'a pris. Honnêtement, je pense que si si je vous demande une estimation du temps que ça m'a pris et que je compare au temps réel, je pense qu'il y a les trois quarts qui sont à côté, en fait. Tellement que ça a pris du temps, en fait. Vous n'imaginez même pas à quel point ça a pris un temps monstrueux. En gros, ça... Voilà, dites-vous bien qu'en gros, au total, du construire sur le serveur, faire en créatif, le montage, tout ça réuni, il y en a au moins pour 30 heures. Tout ça réuni, il y en a au moins pour 30 heures. Donc voilà, ça m'a pris un temps énormissime. Sachant qu'en plus c'est pas fini hein, parce que la grotte là comme vous l'avez vu dans le timelapse, la grotte n'est pas terminée. C'est ça le pire, c'est que c'est pas terminé parce que il va manquer toutes les la végétation hein, il manque toute la végétation déjà, on peut le voir, il y a aucune végétation. Il va manquer toutes les spikes au plafond hein, parce que je vais faire des spikes pour faire genre il y a de l'eau qui coule ou quoi. Donc voilà, déjà il manque tout ça. Ensuite là bas au niveau des maisons il manque encore un bâtiment. Et il manque encore tout ce qui est triage des coffres aussi. Parce que bon, les coffres je les ai posés, mais le triage n'est pas là encore. Enfin, j'ai commencé le triage, mais c'est pas encore là. Donc voilà, la salle des coffres elle se présente comme ça. On va avoir des coffres par colonne de 2. Alors je vais faire un système qui n'est pas de moi. Le système, donc je vous mettrai un lien dans la description pour le tuto. Donc c'est un système de TangoTech. Donc qui permet en fait de trier les items dans chaque coffre, mais ça permet pas de trier uniquement un item par coffre. En gros, vous pouvez trier plusieurs items dans le même coffre. Exemple, si je range un coffre comme ça, et ben ce coffre, il va trier les pommes, la stone et les torches. En gros, il aura trois fonctions en un, ce coffre. Bon, je vais pas y disperser comme ça, mais en gros, c'est ça le principe. C'est que son système permet de trier plusieurs items par coffre. Et on peut voir, j'ai commencé un peu le système là. Alors là, c'est où on mettra provisoirement les items. Bon, je vais pas vous le montrer tout de suite ça. Et ici, après, on va avoir une deuxième partie ici qui est pas encore faite. Donc ça, on fera après une ellipse. Ça va être des silos, en fait, des silos pour les blocs qu'on a en masse. Donc la stone, la cobble, la dirt, tout ce qui est, ouais, tout ce qui se trouve vraiment en masse. J'y mettrai dans des silos là-bas. Donc un énorme stockage. Et après ici on va avoir une troisième catégorie. Je sais pas encore trop quoi mettre ici, mais je mettrai d'autres trucs. Ça sera sûrement, ça sera peut-être pas trié en fait ici. Je sais pas encore si je vais y trier ce qui va être là. Mais en tout cas voilà, il y aura une troisième partie ici. Ici ça sera plus les blocs, un petit peu de tout en fait. Ça sera tout, tout ce qui est général ça sera là. Tout ce qui est bloc de masse ça sera là. Et là-bas ça sera peut-être tout ce qui est colorant et bois peut-être, je sais pas. On verra ça. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je sais pas trop. Et après, ici, voilà, j'ai fait une autre grotte encore plus grande où, cette fois, ça sert juste à de la déco, en fait. Enfin, pas vraiment, il y a une maison qui sert un petit peu plus à quelque chose que l'autre. Mais bon, on verra ça après. Donc, voilà, j'ai fait deux maisons. Donc, c'est un peu du style asiatique. Même si, bon, si j'ai envie de faire un truc qui, pour ma part, va bien avec le style asiatique, mais n'est pas réaliste dans le sens asiatique, je le ferai. Donc, par exemple, la structure dans les airs que j'ai envie de faire, et que je ferai peut-être dans un prochain épisode, voire au prochain, je sais pas, c'est pas asiatique, mais ça va bien avec, donc je le ferai. Donc voilà, moi, j'ai pas envie de rester bloqué dans le fait de « Oh là là, mais ils ont pas fait ça en Asie, du coup, je le fais pas. » Non, moi, le RP, tu vois, je m'en fous. Donc, clairement, on va pas se mentir, moi, je fais plus les choses pour que ce soit beau et pas pour que ce soit RP. Voilà, et donc, après, j'ai fait de la déco. J'ai décoré full les maisons. Donc, voilà, de la déco assez classique, mais au final, ça rend bien. Vous mettez un petit peu de tout, surtout des blocs. En fait, il faut mettre des blocs plus petits, des trucs qui sont comptés comme blocs, mais qui font moins d'un bloc. Par exemple, les plaques de pression, ça peut servir d'assiette, par exemple.
Bon, je sais qu'il y a y a un moyen de faire des assiettes avec des armor stands et un casque en fer, mais bon, c'est un peu compliqué pour pas grand-chose. Et puis là, vu que je suis à un étage, juste en dessous, il y a du vide, donc je peux pas le faire. Donc ouais, il y a moyen de faire des assiettes comme ça, par exemple. Vous mettez des pots, bon, par contre, je l'ai pété le pot. Des pots, enfin bref, il y a plein de trucs, vous pouvez mettre plein de trucs différents. Il y a vraiment plein de trucs qui font de la déco. Au final, voilà, je comprends pas trop les mecs qui disent que la déco c'est compliqué. Parce que honnêtement, j'ai jamais vraiment fait de déco de ma vie. Et je trouve pas ça trop dur. Hein. Vous prenez plein de blocs et puis vous les mettez un petit peu partout. Surtout des bibliothèques aussi. C'est vraiment un moyen très simple de décorer. Voilà, après il y a l'autre aussi qui est décoré là. Mais celle-là, beaucoup plus petite de maison. Hop, voilà. Alors, toujours les lits. Je vous conseille de les faire en laine. Hein. C'est plus stylé en laine que de les mettre les vrais lits. Ça, c'est un truc. Ça, c'est des trucs pour se cacher et pour se changer en fait. En Asie, ils ont ça dans, bah, en Asie tout simplement des espèces de toiles. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais en gros, c'est des trucs voilà assez clairs et en fait, ça permet de, ils se changent derrière ça. Donc voilà. Ça, c'était le petit. La petite info. Et ici, il y a un truc que je vous ai pas montré dans cette maison. C'est que juste en dessous, voilà. Voilà, on a un chemin. Alors, il n'est pas encore creusé. Ça sera dans un futur épisode. Mais en gros, juste par ici, là, à peine 20 blocs, on a un double spawner. Donc, peut-être qu'on l'exploitera. Ou peut-être que ce sera uniquement de la déco. Mais voilà, en gros, il y a un chemin dans cette maison qui permettra de relier vers un double spawner. Et après, ici, uniquement décoratif. Par contre, celui-là. Voilà, on a un spawner. Alors, le spawner, il est un petit peu chelou parce que c'est le pack que j'ai mis. En fait, d'ailleurs, j'ai même pas, je vous ai même pas expliqué, mais là, j'ai le pack le Sama Faithful, donc le d'Aurélien Sama, parce que tout simplement, mon pack, je sais pas pourquoi, quand je le mets, le jeu il crash. Donc, je sais pas d'où ça vient, mais bon, peut-être que je réglerai ça pour le prochain épisode. Et du coup, en attendant, j'ai mis le pack d'Aurélien Sama parce que le mien, ça marche pas. Parce que mon jeu il crash, je sais pas trop pourquoi. Du coup voilà. Et du coup ce que je vous propose c'est de se faire une petite ellipse le temps que je fasse la salle des silos et que je fasse le système de tri. Alors le système de tri sera peut-être pas fini à 100% pour cet épisode, mais en tout cas il y aura la partie principale en tout cas, mais ça sera peut-être pas fini parce que j'aurai peut-être pas le temps en fait parce que j'aimerais tout simplement sortir cet épisode pour le jour de Noël. Donc voilà, c'est pour ça. Si j'ai pas le temps, c'est pas trop grave. En tout cas, l'essentiel de l'épisode, il a déjà été fait. Donc, c'est très bien. Du coup, on se fait une petite ellipse et on se retrouve juste après. Et re tout le monde, on se retrouve après la petite ellipse. Donc, on se retrouve toujours dans la salle des coffres. Sauf que vous pouvez le voir, les cadeaux. Enfin, les coffres, ils sont verts en forme de cadeau parce qu'on est le 24 aujourd'hui. Au moment où je tourne cet épisode. D'ailleurs, j'ai vu, en fait, au moment, à minuit, en fait, je me suis connecté à minuit entre le 23 et le 24, et j'ai vu les coffres changer de couleur. Du coup, voilà, c'était plutôt un petit peu n'importe quoi. Du coup, on se retrouve, et j'ai fait, du coup, la fameuse salle des silos. Donc voilà, on peut voir déjà, j'ai décoré le couloir, histoire de rendre ça un peu mieux. Voilà. Hop, on arrive là, et on arrive, boum, dans la salle des silos, qui est juste énormissime. Alors, il faut savoir, normalement, il y a, si je me suis pas foiré, il y a 20 lampes de redstone. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 et on est à la moitié. Donc ouais, il y en a 20. Il y a 20 lampes de redstone. Donc 20 doubles coffres. En gros, il y a 20 doubles coffres par silo. Et donc voilà, dans ces silos, on va trier différents blocs. Donc en premier, la stone. Après, on a l'andésite, la diorite, le granit. La cobble, la terre, la grasse. Bon, la grasse, je pense pas en avoir des masses, mais bon, je l'ai mis quand même. Le gravier, le sable, la neige, parce que la neige, je vais en avoir besoin de masse, masse, masse pour un projet qui arrivera plus tard, peut-être dans très longtemps, comme. Enfin, non, je pense que ça arrivera dans très longtemps, mais bon, voilà, j'en aurai besoin de masse, donc voilà. La netherrack, parce que. D'ailleurs, la netherrack, je pense que ça va être full, hein, ça va être full, archi full, parce que. Voilà, des doubles coffres de Netherrack, je pense que j'en ai au moins 100. Donc bon, voilà. Après ça, le magma block, parce que j'en ai pas mal aussi, je crois que je dois en avoir 3 ou 4 doubles coffres, donc ouais, ça fait pas mal. La soul sand, parce que j'en ai pas mal aussi. L'endstone, bon, j'en ai pas beaucoup, mais bon, c'est un bloc qui se farme très facilement, donc ça m'étonnerait pas que, au fur et à mesure, je commence à en avoir plusieurs doubles coffres. Le bloc de fer, parce que bon, avec l'usine à fer du spawn. Les blocs de fer, on en a des masses. Et en dernier, j'ai mis l'ardennais de clé. Normal, hein, la normale.
Parce que ça aussi, je risque d'en avoir beaucoup. Par contre, juste petite chose, voilà, le bloc de fer, je suis pas sûr de le laisser. Peut-être que je mettrai autre chose à la place. Et sinon, pour ce qui est du système de tri, rien n'est fonctionnel pour le moment parce que j'ai tout simplement pas eu le temps. Hein. Concrètement, si je veux vous sortir l'épisode le 25, j'ai pas le temps de terminer tout le système de tri pour cet épisode. Donc voilà, on peut voir les silos. Alors les silos, je sais pas si forcément il y a des designs qui existent sur internet. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que même, peut-être que ce design existe, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait sans regarder Internet. Donc, voilà, j'ai fait ça, moi. J'ai pas de bloc, c'est un peu relou. On va en prendre dans le mur, genre là. On va en prendre un peu, juste histoire de monter, je les reposerai après. Voilà. Donc, on peut voir, les coffres, en gros, ils s'alternent. Donc, on a un coffre, on a les trois hoppers, par-dessus, on a un coffre, un premier coffre. Voilà, un premier coffre donc qui est relié au hopper. Donc en gros le premier coffre, le tout premier coffre qui va se remplir, ça va être celui-là. On est bien d'accord. Ça va être celui-là. Une fois que ce coffre est rempli, les hoppers ils vont se remplir. Et ça va être à celui-là de se remplir. Après, une fois que celui-là est plein, le hopper il va contenir des items forcément. Parce que le coffre est plein, donc le hopper va commencer à se remplir. Et à ce moment-là, le comparateur va détecter qu'il y a un item là-dedans. Donc ça va nous permettre de savoir que derrière le stockage, on a un coffre de plein. Et donc ce un coffre, on envoie dans un repeater là, et ça tape dans un bloc, et ce bloc tape dans la toute première lampe de redstone, donc ça c'est la première qui se trouve ici, voilà. Donc ça va allumer uniquement la première vu qu'on a tapé dans un bloc, alors que si on tape directement dans la lampe de redstone, ça va allumer tous les blocs adjacents. Donc en gros, ça aurait allumé celle-là, mais aussi celle du dessus. Donc on veut pas, il faut obligatoirement taper dans un bloc si vous voulez allumer une seule lampe à la fois. Et après, pareil, une fois que ce coffre est plein, c'est ce hopper derrière qui va se remplir. Et on compare ici, ça tape dans le bloc et ça envoie dans la lampe de redstone juste derrière. Donc voilà, ça marche comme ça. Et après, les coffres, bah, on alterne. Hein. Et du coup, un silo, ça prend deux d'épaisseur. Ça prend deux d'épaisseur dans le système. Et comme vous pouvez le voir, on peut coller les systèmes à une condition près. Il faut faire très attention à ça, c'est qu'il faut qu'il soit décalé de un bloc. Voilà, si on regarde celui-là, ce silo là, celui-là là, il est un bloc derrière, enfin il est un bloc plus à gauche que celui-là. Alors que si vous les mettez au même niveau, là ça va pas le faire parce que si vous mettez au même niveau, ça va pas le faire parce que quand vous allez taper dans un bloc, vu que les deux lampes de redstone seront au même niveau, celle-là va s'allumer, mais celle-là qui sera au même niveau derrière, elle va s'allumer aussi. Alors que si vous tapez dans ce bloc, vu que celle-là est en diagonale, elle ne s'allume pas. Il y a juste elle qui s'allume. Donc voilà, faut faire attention à ça. Vous pouvez les coller, mais uniquement s'ils sont de décalés. Donc en gros, ce que je vous conseille, si vous voulez faire le plus compact possible, faites comme moi, faites un rond, vous faites un cercle et vous les mettez en décalé à chaque fois, vu que bah, c'est l'architecture d'un cercle tout simplement. Et pour ici, vous pouvez pas taper sur le milieu hein, parce que comme je l'ai dit, si on tape là, ça allume celle-là et celle-là. Donc ce qu'il faut, c'est envoyer les répéteurs dans celui-là et dans celui-là. Donc en gros, vous faites en miroir en fait, vous en mettez un qui est sur ces deux blocs-là et un autre sur ces deux blocs-là, et comme ça vous aurez pas de soucis. Donc voilà, vous pouvez bien compacter la chose du coup et avoir 16 silos dans un cercle de cette taille. Enfin, vous pouvez même en mettre plus parce que là j'en ai mis 16, mais ici vu qu'il y a l'entrée, j'en ai pas mis ici. Donc voilà, vous pouvez en mettre plus. Et après, comme j'ai dit, en haut il y aura des trieurs d'items qui trieront dans chaque silo. Sauf que pour le moment c'est pas fait parce que comme j'ai dit, j'ai pas le temps. Au moins j'ai fait les silos, j'ai fait la déco de la salle, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, ici j'ai mis un peu d'eau. Il y aura peut-être une plante qui dépassera ici dans le futur. D'ailleurs, ouais, j'avais mis des torches pour que l'herbe elle pousse, mais là c'est bon, ça a poussé, donc on va les dégager. Et vu qu'on est dans un biome mushroom, la lumière, on s'en contrefout parce que ça spawnera pas. Donc c'est parfait. Et je vais remonter par où? Par là. Tac, bim boum. Hop. Ah oui, d'ailleurs, j'ai ça aussi qu'il faut que je replace. What? Ah non, je me suis foiré. Ces trois-là, ils vont pas. Hop. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes parce que je suis tombé sur l'océan, là, juste au-dessus. On peut voir, là, il y a l'océan. Il y a même le bord de l'île, en fait. Ça, c'est le bord de l'île. C'est juste derrière et à l'extérieur. Donc, voilà. Et ici, après, on tombe sur le système de tri des coffres. Donc, on va aller voir ça juste vite fait. Même si, pour l'instant, comme j'ai dit, c'est pas opérationnel parce que j'ai rien mis en place au niveau des tris, en fait. J'ai mis le système, mais j'ai pas mis les tris. Parce qu'en gros, pour que ce système fonctionne, faut que tous les coffres soient pleins. Sauf que les coffres, j'ai pas mis en place. J'ai juste mis de la stone, c'était pour tester une fois. Mais voilà, j'ai blindé de stone, mais ça va dégager. Et je vais devoir trier un petit peu ce que je veux dans chaque coffre. Du coup, pour l'instant, c'est normal que ça marche pas. Et ici, on a le coffre où on met les items à trier.
Mais voilà, pour l'instant, ça marche pas parce que bah, forcément, c'est pas terminé. Hop, mais au moins le système est là. Ah voilà, c'est bon, on tombe dedans. Donc voilà, le système c'est TangoTech. Donc je vais juste vous montrer très rapidement si vous voulez savoir comment le faire, allez sur la vidéo de TangoTech que je mettrai en description. Donc voilà, ici on a une boucle en gros qui va envoyer des impulsions et toutes ces impulsions on va les balancer dans des droppers qui vont faire monter les items et ensuite les items ils vont redescendre petit à petit en fait ils vont redescendre par tick dans la lignée de hoppers qui se trouve au milieu. Donc en gros tous les items ils vont monter, ils vont descendre et en gros ils vont faire le chemin en fait. Un item, quand il va commencer, l'item il va partir là, il va faire bim 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 bim, hop, et il va faire tous les coffres, il va checker tous les coffres. Parce qu'à chaque fois il va s'arrêter une demi-seconde dans un hopper, donc il a le temps de checker s'il peut rentrer dans le coffre ou pas. S'il peut pas, bah il continue, il va attendre et il va descendre au prochain hopper. Mais s'il peut rentrer dans le coffre, vu qu'il a le temps, il va rentrer dans le coffre. Et du coup, bah, ça permet de trier. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir, comme j'ai dit, la vidéo de TangoTech que j'aurais mis en description. Voilà, hop, on va ressortir par là parce que sinon c'était trop merdique. Boum, tac. Ah oui, aussi, j'ai pas fini le système pour une autre raison. Ah, il me manque un stone. Comment ça se fait? Oh bon, on va en enlever un de là. Voilà. Autre chose pourquoi j'ai pas fini, c'est que c'est totalement la dèche. J'ai absolument plus une seule goutte de redstone. C'est genre abusé. Je crois que j'aurais même pas assez pour terminer les silos. Parce que j'ai crafté des répéteurs et tout, mais je pense que j'aurais même pas assez. Donc voilà. Donc bah tout ça c'est bon. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit truc que j'ai découvert. J'ai découvert ça par moi-même quand j'étais en train de faire la salle des coffres tout simplement. Donc je vais vous le montrer rapidement. Je vais vous le montrer rapidement. On va prendre... Bim. Alors là il y a encore tout mon bordel. Il n'y a rien de rangé comme j'ai dit. Hein. Hop, on va prendre ça. Tac. Et on va prendre un de gravier. Et vous allez voir. Je sais pas si vous connaissez, mais ça, j'avais jamais vu. Hein. Et j'ai découvert ça par moi-même. Donc voilà. Hop, vous mettez ça. Et vous faites tomber un gravier dessus. Et il tient en lévitation au-dessus de la barrière. Et du coup, là, c'est une entité. Hein. Le gravier, c'est une entité. Mais sauf que le point positif à ça, parce que là, bon, clairement, on s'en fout. Hein. On fait glitcher du gravier, c'est bien et tout. Mais le point positif qu'il faut voir, c'est qu'on a moyen de faire des dalles de gravier. Et oui, il y a moyen de faire des dalles de gravier. Genre là, tac, je fais... tac, je creuse ça, je mets ça là et je fais tomber ça là-dessus. Voilà, j'ai une dalle de gravier. Et ça c'est stylé. Bon, le seul inconvénient du coup, c'est que vous passez à travers vu que c'est une entité. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais si c'est uniquement décoratif, vous savez comment faire une dalle de gravier. Après, attention à pas trop en abuser. Parce qu'il faut savoir que le gravier sous cette forme, c'est une entité. Donc ça peut faire laguer si vous en mettez trop. Donc faut faire attention quand même. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que j'étais... bah voilà, j'étais un petit peu content quand j'ai trouvé ce truc. Alors, ça allait là. Et ça allait là. Voilà, parfait. Du coup, maintenant, ce qu'on se fait, c'est qu'on se fait une petite ellipse et on va aller au spawn nordique parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Ok, re tout le monde. Du coup, on se retrouve au spawn nordique. Donc, on se retrouve devant un truc bah, qui ressemble à un cadeau. Oui, parce que c'est un cadeau. Il y a MLDG qui a mis tout simplement des cadeaux un petit peu partout dans le spawn nordique. Et il a dit qu'on pouvait en choisir un par personne. Et que bah, y a certains cadeaux qui étaient totalement nuls. Et d'autres bah, qui étaient bien. Du coup, on va voir ce qu'il y a dedans. Let's go. Ok, donc déjà, il y a une shulker box. Ça, j'avais vu en fait, puisqu'il l'avait montré dans une vidéo. Ouh, putain, en vrai, c'est pas mal ça. Ah oui, ah oui, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, 5 stacks de... ouais, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, bah merci du coup à ML2G. Et par contre, la Shulker Box, je sais pas si on la garde ou pas. Au pire, s'il veut que je lui rende, je lui rendrai, il n'y a pas de souci. Des Shulker Box, de toute façon, c'est pas ce qui me manque. Donc voilà, on va le casser par contre du coup, histoire que bah, les gens voient que celui-là il est plus disponible. Ok, donc c'est cool parce que la clé, bah, la clé j'en avais pas, du coup c'est bien, on a gagné de la clé. Du coup c'était pas mal. Du coup ce que je vais faire, c'est que on va s'arrêter là. Peut-être que en off, du coup, parce que là on est le 24, mais peut-être que le 25... j'irai mettre des cadeaux chez les différents membres. Je sais pas encore, ça dépend de si j'ai le temps. Parce que bah, clairement là le 24 en fait j'aurai plus le temps de rien faire, ça c'est sûr.
Et le 25, peut-être, si j'ai le temps, je mettrai des cadeaux chez les différents membres. Donc pour ça, pour savoir si j'ai mis un cadeau ou pas, faudra aller voir leur vision, enfin leurs épisodes, pour voir s'ils trouvent quelque chose ou pas. S'ils trouvent rien, c'est que j'ai rien mis. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et si j'ai rien mis, c'est que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez vraiment pas, s'il vous a plu, à mettre un pouce bleu, parce que ça m'a pris vraiment énormément de temps, vous n'imaginez même pas à quel point, surtout pour le timelapse en fait. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode, et aussi, dans le petit i en haut à droite, vous avez un sondage, donc allez voter tout de suite, voilà. Enfin, si vous voulez quoi, mais bon, c'est mieux pour vous de voter, parce qu'en gros, vous allez choisir ce qu'il y aura au prochain épisode. Et aussi, petite info, putain, j'ai oublié ça, petite info, j'ai vu que pour l'usine à Blaze, il y en a beaucoup qui voulaient un tuto, donc ça sera fait. Bon, pas tout de suite, parce que j'ai pas le temps, mais quand j'aurai le temps, ça sera fait, il y aura un tuto sur l'usine à Blaze. Du coup, voilà, je vous dis à très bientôt, et salut tout le monde.